Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous incarnons les Roxolans. Alors, de très probables batailles à venir au niveau de Salamis, tenue par les Séleucides. Ah, comme vous pouvez le voir, je suis un peu dégoûté parce que je lui vole apparemment pas de nourriture. Voilà. Allez, armée de garnison, ouais, je l'ai oublié celle-là. Bon. On a un avantage de tirer, c'est qu'ils ont peu de cavalerie et d'unités à distance. Nous, on a des unités plutôt fortes. On est en plaine, oh yes. On est sur de magnifiques plaines, on a des unités à distance. Assez. Avec assez d'armure. Oh, c'est de traviole tout ça. Hein. Hop. Ah oh, putain, il y a du brouillard. Oh, ils font chier. Je déteste ça. On va s'étendre le plus. Alors, pas le plus possible. On va s'étendre de manière conséquente. Voilà. Et on va surtout faire attention. Essayer de voir d'où vont venir leurs renforts. Parce qu'il y en aura. Mon but n'est pas de gagner la bataille. Celle-là, surtout qu'il y a des renforts de garnison. Là, il n'y a qu'un seul point de renfort. Ouais. Non, il y en a deux. Ok, il y en a deux. Il y a de la garnison. Ça, c'est pas de la garnison. Ok, on va se regrouper là, le temps de tuer un petit peu leurs unités là. Des javelots et tout, c'est très bien. Pas volonté. Pas de garde. Ok, tous leurs renforts vont venir de là. Avancer de deux. Trois petits pas, on va dire. Bon. On va faire des tirs de précision, on va augmenter les dégâts. S'ils veulent pas bouger, chaque flèche fera mouche de manière plus conséquente. En effet. Oh la vache. Ouais, sur les montagnards, ça se voit, c'est dévastateur. Piquer au bouclier d'argent. Oh oh. Alors les éléphants, ça c'est bien. Ça c'est bien si je fais des tirs enflammés. J'en connais qui vont pas aimer les éléphants, ils vont vraiment pas aimer la blague. Allez, on recule. On recule, il faut absolument. Il faut foutre le feu aux éléphants là. Non, j'ai pas le droit. Tir de base, bon bah tir de base, vu qu'apparemment ça galère. Faut que je recule. Voilà, on va taper de la cavalerie là pour l'instant. Oh la vache, ouais. Ça fait mal. Dans ce sens là, dans l'autre sens. Là on lui fait bien mal. C'est quoi ça? C'est de la cavalerie également. On ça veut pas hein. Merde, ils arrivent au contact là? Non. Ah je me disais aussi. What? Attends, pourquoi j'ai une unité là, qui est totalement avancée là? On sait pas trop ce qui est fou. Ok, et là? Ils veulent pas. Voilà, éléphant de guerre, ouais. Ils veulent pas tirer sur la cavalerie là? Voilà, bon. Par contre, trêve de plaisanterie. On va faire l'inverse. On va aller là-bas. Allez, on se grouille, s'il te plaît.
Il y a de la cavalerie, il y a de la cavalerie, de la cavalerie en nombre là, ça m'arrange pas du tout ça. La volonté, oui. C'est tout? Non, il n'y a pas que ça comme perte quand même. Si. Mais bon, tu parles d'une salle. Pas terrible, hein. J'ai connu mieux, hein. Ok. Je suis obligé de faire une rotation là. Ouais, ça reste son général, hein. Je serais gagnant hein, si il vient m'embêter. Hein. Les éléphants par contre. Il m'embête vraiment là. Il s'est vachement bien déployé. Hein. Enfin, il s'est. Enfin... En réalité, bon, si le combat était en condition réelle, il se serait mal déployé parce qu'il serait pas groupé. Et que je pourrais utiliser un petit peu n'importe quelle unité en escarmouche. Chaque unité étant indépendante, c'est ça la force hein, des unités montées. En les mettant, c'est que je peux pas les jouer même au ralenti, je peux pas les jouer manuellement comme ça. C'est pas possible. Et que là il me bloque en fait, hein, il me bloque totalement. Cavalerie. Bon bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est changement de plan. J'ai pas le choix, ça me fait chier, mais j'ai pas le choix. Surtout que là, c'est vachement dangereux, là, il y a des javelots là. Non mais je ferai une petite fuite au pire, c'est pas très très grave. On va faire mine 2. Le problème c'est que. J'ai trop de troupes là, j'ai trop de troupes au mètre carré là, c'est pas bon. Je vais devoir le diviser en deux. Voilà. Là, ça va être un peu plus difficile, beaucoup plus difficile à jouer, mais. Surtout avec le brouillard, j'y vois que dalle. Hop là, on va pas s'approcher tant, il y a des javelots. Là, ça engage. Donc, on recule. Les tirs enflammés, mais sur les éléphants, s'il vous plaît. Là, quelques tirs enflammés, les éléphants, ils vont vite se barrer sur les unités ennemies. Ce serait cool, quoi. Allô, allô. Allô, allô, les archers, faudrait faire feu. Ouais, il y a deux flèches et demie, là, les gars. Mes éléphants, ils seraient déjà barrés, quoi. Compliqué. Allez, là, quand même, avec tout ce que j'ai envoyé, là, c'est... Sérieusement, ils sont mis... Ils sont pas devenus fous, là, avec ce que je leur ai envoyé, là? C'est la dinguerie là. Bon. Je crains qu'il va falloir... Et qu'il faille fuir. Ouais, là ça pique. Là ça va. On va faire des tirs enflammés. Particulièrement aimé, ils vont arriver au corps à corps, non. C'est quoi ça? Rondeur, ok. Putain, les éléphants ils tiennent, hein. Jamais vu ça. Enfin, jamais vu ça pour les miens. C'est quoi ça? Piqué où? Bon là c'est moins drôle par contre. Parce que les piquer au corps à corps, ça va poser problème. Après je lui ai fait des pertes.
mieux, c'est que tout simplement je me barre comme ça. Hein. De toute façon, même s'il était arrivé au corps à corps, il aurait pas aimé la blague. Il aurait pas aimé parce qu'il avait pas le temps de se mettre en formation. Oula, 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 oula. Ils sont fous là, dis-moi qu'ils sont fous au moins. Hors de contrôle, ça y est. J'y croyais plus. Tu vois le Froy, aïe, ça va faire mal. Et tu vois le Froy, ils font mal. Oui. Anciens orientaux, allez. On tire dessus, s'il vous plaît. Bon. Ça a l'air de faire de la charge, là, j'aime pas trop. Ouais. Modifier notre placement. Petit à petit on se met en retraite. Du lancier. Ils sont en formation. Ils sont en phalange. Ou faire comme ça. Hein. Bon, là. On va devoir se replacer un peu. Et là aussi. Voilà, ça a sonné la retraite. En vrai, on lui aura fait des bonnes pertes. Oh merde, je l'ai pas vu ça. Allez, retraite générale. Ça va. Moi, je l'avais pas vu du tout, là, l'autre, là, les compagnons. Faites de justesse, on a eu très peu de pertes, ils ont eu énormément, ils ont perdu la moitié de leur troupe. C'est une très très bonne défaite. Et là qu'ils viennent nous embêter une fois de plus, il va vite comprendre sa connerie. Normalement j'ai droit à une retraite, donc il devrait se barrer par là, ou je sais pas trop. Voilà, ouais. Déjà, alors deux choses l'une. Déjà, on a une défaite sur laquelle on n'a pas vraiment perdu. Et de deux, on lui a fait choper la peste, les deux unités là. Là il est content, là, tu vois, là il est vraiment content d'avoir fait ce qu'il a fait. Hein. Hop. Fait que là on a juste à récupérer, c'est... On aura des pertes, je pense, raisonnables. Ouais. On rase, et puis voilà, plus de séleucides. Bah oui. Il a voulu jouer, hein. Il a voulu jouer, il a perdu. Ouais, direction Tarsus. Même pas besoin de lever de flotte. Ici.
Ah tiens, toi tu vas aller sur Antioche plutôt que Tarsus. Mes espions, très chers. À qui vous appartenez, vous? Sinus. Oui, Sard, coucou. Ah, vous allez là-bas. Toi. Merde. Voilà. Je sais pas combien de tours d'affilée ici, le pauvre. Le général qui est là, en général, il... Il y a quelques petits soucis de santé. Ah, c'est chiant. On se débrouille pour l'instant, on se débrouille. C'est une dame en armure, ok. J'ai pas le bâtiment pour améliorer mes troupes. Pour recruter des troupes améliorées plutôt. Ouais, quelques petits problèmes de peste, ouais, je suis au courant. Ah oui. Du commerce, alors ça. Et ça. Et ça. Et ça. Voilà. Aussi. 30. Ok, j'ai plus que deux colonies à raser mettre à sac là, différentes. Comment s'éparpiller ici? Ça tombe bien, j'avais besoin d'un peu d'argent. Le chemin est bloqué. J'ai entendu je dire. C'est vrai que j'ai pas le son très fort, mais je l'ai entendu dire dans ma tête. Le chemin est bloqué. Oui, alors, bah non, enfin. C'est pas comme ça que ça se passe chez moi. Disons que. Je suis pas totalement d'accord. C'est que ça m'appartient en fait. Faut pas déconner, hein. Voilà. Qu'est-ce que je fais ici? Il y a un peu de tout, hein. Ah, ça sera de la production de nourriture. On va peut-être faire quand même au cas où du un point de recrutement, comme d'hab. Ah ouais, ça me coûtait encore une blinde, ça aussi. Et on va hors de public. Ordre public, ouf. Ah oui. Ah, c'est pas une blinde que ça me coûtait, c'en est plusieurs. En plus là avec la connerie des Galates. De venir m'embêter. On était bien en plus, on s'entendait bien. On est tapé sur les mêmes gens. Et... Bon, j'allais peut-être un peu taper sur les Séleucides, mais. Non, je crois qu'ils s'entendaient mal avec les Séleucides. Ah non, c'était peut-être l'abbaté. C'est un détail.
Là, ça appartient à qui? À Sardes, Sardes, Sparte. Ah ouais, d'accord. Les Sardes, ils sont... Ils sont présents en plus d'endroits que ce que je pensais. Hop, allez, merci de me donner votre bouffe, tribu, rencontrer Stard. Sparte, ok. Alors, la question, c'est comment je m'entends avec eux? Mal et mal. Je m'entends mal... Ah si, non, je m'entends pas trop mal avec les... Avec Sparte, accord commercial, tiens. Hop. Hop, si c'est à moi. C'est décidé. Hop, c'était la dernière ville que j'avais à mettre à sac. Rasé. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Alors, on va quand même. Impeccable, y'a personne pour défendre là. Maintenant, j'ai juste à occuper. Ils sont sacrés flottes, hein. Qu'est-ce qu'ils font là? Putain, il y a les pontes. Il y a les rebelles pontes. Ouais, technologiquement là, j'ai rien du tout. C'est pas bien grave. Les Sardes, ils s'entendent bien avec un Galate. Les Galates, ouais, ils s'entendent bien avec les Galates. Non, Sparte qui s'entend mal avec les Galates, ça c'est très bien, c'est très très bon pour moi ça. Allez, c'est du commerce ici. Hop. Là, je vais devoir retirer ça pour le mettre ici. Allez. Ici. Tribal, c'est très bien. Ah bon, bah, et puis le reste, on verra quand j'aurai des sous. Faut que je m'occupe des rebelles du pont. T'as bien, j'ai du bois, je vais pouvoir améliorer mes flottes. Bah. Ah, je sais, je suis un humoriste né. Oh merde, putain, tiens, je me prends le karma là. Je perds une troupe. Des rebelles? Oh non, des Sardes, ok. Oh la vache! Il y a des rebelles de partout, oui. Oh, ils sont nombreux, les Sardes. Vache. Ok. Je suis quoi? Finance industrielle, on avait dit. Pourquoi j'ai ça là? Ça, c'est pas bon ça. Des mines. Ah bah yes. Hop, on les envoie à Rhodes. Ok, ouf.
coûte cher. En général, le marché aux esclaves, ça rapporte. Attends, quoi? Sirac? Oula! Pourquoi il m'aime pas? D'accord, bon. Ils font ce qu'ils veulent, mais bon, bizarre. Allez, on va chercher Nicomédia. Il lui reste pas grand chose. Voilà, tu as réussi. Quand tu veux. Et là, on va chercher les sardes. Hein. Pergamon qui est au moins des Spartes. De Sparte, ça c'est un peu chiant. Le commerce ça rapporte de fou hein. Alors que je joue un peu plus sur le commerce, j'ai l'impression que vraiment c'est la richesse, c'est la richesse même le commerce quoi. Avec le mercenaire, il a raison. C'est une bonne fois pour toutes. Pas une bonne fois pour toutes. Il y en a d'autres. Galate. Oh putain, d'accord. Effectivement, il y en a d'autres. Bon. Et sur Ephèse, oh, il y a Athènes aussi. Oh, bah dis donc. Hop, toi. Je merci. Oh, ça devrait le faire là. Hop, et lui. Nous avons trouvé un abri. Là, je vais faire quoi ici? Je crois que le colosse de Rhodes, il rapporte du commerce aussi. Hein. Ah, j'ai vu que ça rapportait beaucoup le commerce, donc... T'inquiète pas que... Que je vais en faire.
même pas terminé, elle me rapporte déjà le plus. Je pensais honnêtement que c'était les provinces industrielles qui rapportaient le plus. Et moi, je me suis bien trompé. Ah oui. Excuse-moi, je t'ai oublié. Non. Ah super. J'ai pas vu où. Oula. On est là les gars, on profite bien le coup. Est-ce qu'ils ont faim? Non? On chie. Ah, je l'ai peut-être mis ce tour là, c'est peut-être pour ça qu'ils ont pas encore faim, tu me diras. De revenus par tour là. Bah, je me mets bien. Ah, c'est, il meurt de faim. Mais quand même. Alors, j'ai vu quelque chose par là. Ça va. Je vais voir si c'était des gens avec qui je m'entendais pas. Les Galates. Par pur hasard. Mais non. Oui. Je suis en civil actuellement. Ouais, bah allez. On occupe très gentiment. Là. Il y a un passage là? Oui, voilà. On va attendre juste un petit peu de reconstitution. Je vais acheter un petit coup d'œil ici. C'est vrai qu'il n'y a rien pour le... Pour le commerce. On va essayer de faire tomber l'ordre public. Énerver la population. Les revenus 7000. C'est génial.
Consomme de la bouffe, mine de rien. Oh, attends, oui, attends, niveau bouffe. Oula! Oula, oula, oula! Et je suis en train de voir un truc là, c'est que niveau bouffe, je suis pas si bien que ça. Hein. Tu me diras. Tous les fabricants de yourtes. Je peux les modifier en corps royal. Hein. Si moi j'ai des problèmes de nourriture. Hein. N'aurait pas posé de soucis. Hein. La direction Rhodes. Ouh. Oh, les revenus. 50. Ce coûte 52 000. Ok, d'accord. Oh la vache, attends, mais pourquoi d'un coup là j'ai un boost énorme? Ah bah super, le jeu a crash. Bon. Eh ben, on se retrouve sur le prochain épisode, hein, je crois. Bon, bah c'était Thiom, hein. Ciao.